tous. Vous m'entendez bien ? Merci. Ah, c'est bon, vous m'entendez bien. Merci à toutes d'être présents dans l'amphithéâtre du Campus Eiffel pour cette session du Printemps de Gecko conçue par l'Institut Veblen et par sa coprésidente Mathilde Dupré, ici à ma droite. Donc, thème est consommation versus sobriété. Quel est le rôle de la publicité ? Donc, la sobriété, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a le plan du gouvernement qui a été présenté début octobre. L'idée de la sobriété, bien sûr, c'est que c'est devenu progressivement un impératif pour réencastrer l'activité économique dans les limites terrestres, pour des questions de neutralité carbone, bien sûr, mais au-delà, pour préserver la biodiversité, pour préserver la ressource en eau, pour éviter la pollution. Le dernier rapport du GIEC a beaucoup insisté sur cette notion de sobriété, sur la nécessité de la mettre en place. Qu'est-ce que ça implique très concrètement, la sobriété ? Ça implique de consommer moins d'énergie, moins de ressources, de faire un tri qu'on espère le plus démocratique possible entre les activités qui sont soutenables et les activités qui le sont moins. Donc aussi de faire le tri entre certaines productions, certaines consommations. À côté, la publicité, ça sert à vendre ses produits, ça tire la consommation, parfois au-delà du raisonnable, parfois peut-être pour vendre des produits néfastes pour l'environnement, mais aussi ça a pour but d'informer le consommateur. C'est un rouage essentiel d'une économie de marché. Ça peut éventuellement aussi tirer le consommateur vers la consommation de produits moins néfastes, pourquoi pas. En tout cas, ça a un impact sur la concurrence, c'est un impact sur les prix, et c'est aussi un marché. C'est un gros marché, la publicité en France, c'est plus de 30 milliards. Ça permet de faire vivre plein de médias, donc au final, comment on s'en sort avec la publicité ? Qu'est-ce qu'on fait de la publicité dans un monde où la sobriété est devenue un impératif ? Donc, on va en parler avec Mathilde Dupré à ma droite, co-directrice de l'Institut Veblen, administratrice de l'association Communication et Démocratie, qui a publié tout récemment un rapport appelant à taxer les dépenses publicitaires, qui s'intitule « Taxer la publicité pour consommer autrement ». Tout à gauche, Thierry Libert, professeur des universités, qui enseigne à l'Université catholique de Louvain, co-président de la catégorie consommateurs et environnement au sein du Comité économique et social européen et co-auteur d'un rapport ministériel Publicité et transition écologique paru en 2020. À ma gauche encore, Maximilien Nayaradou, qui est directeur général de Finance Innovation et qui est auteur d'une thèse de sciences économiques Publicité et croissance économique. On va commencer avec vous, Maximilien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le rôle de la publicité dans l'économie ? Ça sert à vendre un produit, mais au-delà de ça, au niveau macro, quel rôle ça a ? En quoi ça tire la croissance ? Et en quoi, au final, réglementer la publicité au nom de l'écologie, c'est éventuellement ou pas, vous nous direz, entraver cette croissance ? Alors bon, tout ça, c'est vraiment des très gros sujets. Et en réalité, pour y répondre, il faut aller dans le détail. Alors, ce que je peux moi vous dire tout d'abord, c'est que la publicité, c'est une forme de... Déjà, ce n'est pas le monopole des entreprises, la publicité. C'est une forme d'industrialisation de tout ce qui est... de tout ce qui est, en fait, de toutes les émotions qui vont se transmettre. C'est une forme... Donc, en fait, la publicité, vous allez en fait jouer sur... Dans ton introduction, tu as dit qu'il y avait, ça favorise la concurrence, ça favorise aussi parfois aussi le pouvoir de marché, mais ça favorise aussi la concurrence donc, entre les entreprises, mais aussi entre les consommateurs. En réalité, la publicité, on industrialise les émotions, on industrialise la contagion. Par exemple, l'exemple d'Apple, c'est un bon exemple. Apple, c'est un produit qui est cher. D'accord ? C'est un produit sur lequel, quand vous avez un Apple, vous vous distinguez des gens qui n'ont pas de Apple, de ceux qui ont des produits chinois, alors que bon, Apple, c'est produit en Chine, hein, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, vous avez des gains symboliques à avoir un Apple. Et ces gains symboliques, ils sont validés par tout l'investissement publicitaire, donc les fortunes publicitaires que Apple a investi dans la publicité. Donc ça, en fait, vous avez constitué une marque qui fait que Apple est moins interchangeable que, j'arrive même pas à citer là de mémoire, des trucs chinois, pour vous montrer à quel point la puissance du pouvoir de marché de Apple est forte. Donc attention, quand on dit ça, et là je comprends les écologistes, ils disent oui, c'est gaspillage, etc. C'est que les gens, ils valident ça. D'accord ? Il y a une part quand même de démocratique là-dedans. Les gens, ils valident ça. En URSS, dans les pays communistes, déjà, il y avait de la publicité, c'était l'État qui faisait de la publicité, et c'était des publicités sectorielles, mais il n'y avait pas cette rivalité. La rivalité entre les consommateurs, elle était, je dirais, contingentée, elle était limitée. D'accord ?
Et avec l'ouverture vers le capitalisme, la rivalité entre les consommateurs, elle explose. Donc ça, il faut comprendre, c'est quoi, anthropologiquement, la publicité. La publicité, ça joue sur... Et là, je suis avec la présidente de l'Institut Veblen. Moi, j'aime beaucoup Veblen et j'avais fait mon mémoire de DEA sur Veblen, alors plus sur la partie économique que sur la partie sociologique. Mais dans la sociologie de Veblen, vous avez la consommation ostentatoire. Et derrière la publicité, vous avez la consommation ostentatoire. Et donc, c'est pour ça que le sujet de la sobriété, c'est est-ce que la publicité peut faire autre chose que favoriser la consommation ostentatoire ? Le fameux effet Veblen, les étudiants ici connaissent peut-être. C'est pas assez cher. Là. Il y avait une pub, sur Renault dans les années 90. C'était il y a chez une Clio et il disait « Ah non, mais Clio, pas assez cher, mon fils. » C'est ça, l'effet Veblen. Et chez Apple, vous avez ça. C'est pas assez cher d'acheter un produit chinois. D'accord ? Donc, c'est très important de comprendre que derrière la publicité, il y a aussi une demande de la population de la publicité. Et d'où, après les débats sur la fiscalité, etc. Je reviens sur... Là, on parle de sociologie parce que c'est important. Mais au niveau économique, la publicité, vous avez le média, le hors-média. Et dans mes travaux, j'ai montré que la publicité média était plus efficace en termes de croissance économique que la publicité hors-média. Et en gros, que les économies dans lesquelles vous avez un ratio média hors média au profit des médias étaient des économies où il y avait plus de croissance économique. Et pourquoi ? La réponse, à mon avis, elle est assez simple. C'est que les médias, ça met plus de pression. La pression publicitaire média est plus forte que la pression publicitaire hors média. Le hors média, c'est les prospectus que vous avez dans la boîte aux lettres, c'est la ration presse, c'est les promotions. Bon, voilà, le prospectus, vous le jetez. Le média, là, vous voyez Netflix, il n'y avait pas de publicité, maintenant, ils vont mettre de la publicité sur Netflix. Parce que les médias, ils ont besoin des recettes publicitaires. Une pub qui passe avant le JT de 20h, c'est beaucoup plus efficace que le petit prospectus qu'on va recevoir dans notre boîte aux lettres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc ça, c'est important. Après, la publicité, elle a un impact en croissance économique, et c'est pour ça que les publiphobes, ils ont en partie aussi raison, c'est qu'il y a certains secteurs dans lequel la publicité, on va dire d'un point de vue macro, est du gaspillage. Parce que, alors je l'avais mis dans la thèse, il y avait tout ce qui est lessive, habillement, textile, etc. En gros, c'est que les parts de marché qui s'échangent entre les entreprises, dans lesquelles il y a peu de concurrence et peu de croissance. Après, du point de vue des entrepreneurs qui sont dans ces secteurs, eux, ils ont envie de faire de la publicité parce qu'ils veulent avoir des parts de marché. Là, je me situe vraiment d'un point de vue macro. Et puis, il y avait vraiment les secteurs dans lesquels il y avait de l'innovation, et qui sur lequel il y a vraiment en fait la publicité est efficace puisqu'elle permet de baisser le coût de la contagion de l'innovation. Et les pays comme les États-Unis ou l'Angleterre par exemple, qui est un pays plus je dirais comparable à la France, c'est des pays où justement la publicité va être plus forte, l'innovation va être plus forte, la culture digitale va être plus forte. Il y a plein d'études qui le montrent, et donc je pense que ça peut s'expliquer en partie par la publicité. Donc ouais, c'est un sujet complexe, et après on va donc si on résume, la publicité, ça permet de favoriser en soi la concurrence, donc l'innovation, en tout cas dans les secteurs qui sont le plus sujets à concurrence. Et donc au final, pour vous, le consommateur, il gagne d'une certaine manière, dans le sens où via la concurrence au sein d'un secteur, mettons par exemple dans le secteur automobile, il va au final être gagnant en pouvant comparer le marché, les différentes offres de marché existantes, et d'une certaine manière, ça pousse à l'innovation, donc à la croissance d'un secteur économique. On va dire que il y a des secteurs où c'est pas le cas, mais on va dire en termes quantitatifs, il y a plus de secteurs qui poussent où la publicité est un facteur de promotion de l'innovation. Et après, vous pourrez toujours trouver des secteurs où ce n'est pas le cas. Et ça favorise donc la concurrence. Mais après, d'un point de vue macro, il y a la concurrence qui est inutile. Il y a un gaspillage aussi à la concurrence. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir un secteur qui dit on mutualise la publicité. Vous voyez, donc c'est la réponse, on va dire, majoritaire, c'est que c'est plutôt efficace et ça favorise la consommation et l'innovation. Mais vous pourrez toujours trouver des secteurs où ce n'est pas le cas. Donc la publicité, bien sûr, a aussi des effets négatifs. La publicité est critiquée bien longtemps avant qu'on ait identifié l'existence des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. C'était critiqué depuis très très longtemps. Je m'adresse maintenant à vous, Thierry. Donc la publicité a presque toujours été critiquée et donc elle a aussi presque toujours été encadrée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réglementation actuelle de la publicité dans le cadre français, puis dans le cadre européen, avec cette question, est-ce que au final aujourd'hui, est-ce que la réglementation qui existe dans le secteur publicitaire empêche, disons, le greenwashing ? C'est déjà une première étape. Et au-delà, est-ce que cette réglementation pourrait permettre éventuellement de combattre non pas le greenwashing, mais au-delà, peut-être la notion de consumérisme ? Est-ce que la réglementation permettrait ça éventuellement ? D'accord.
Et tout ça en 10 minutes, bien sûr. Voilà. Tout ça en 10 minutes. Alors, oui, la régulation, ça existe depuis très longtemps. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est que, en fait, la critique publicitaire, elle est quasiment née en même temps que la publicité. C'est-à-dire, dès le milieu du 19e siècle, on voyait fleurir des critiques publicitaires. Alors, il y a eu une évolution. Hein. Au début, c'était la publicité nous abétit, elle défigure les paysages. Après, ça a beaucoup été sur le sujet de la lutte contre le greenwashing, comme tu viens de dire. Et puis maintenant, le sujet, il a un peu explosé. J'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne sur le climat, enfin, d'être auditionné par la Convention. Pour moi, c'était un choc, parce que dès la deuxième session de travail de la Convention citoyenne, c'est-à-dire juste après que les gens se soient présentés, qu'on leur ait donné un peu la méthodologie de fonctionnement, Ils ont dit, si on veut s'attaquer à la lutte contre le dérèglement climatique, on doit prendre en compte la publicité. Et ça, personne n'y avait vu venir. Et ça a été un choc dans la profession de la publicité, parce qu'il y a vraiment eu cette idée de visualiser la publicité vraiment comme un obstacle à la transition écologique. Alors, les points importants, c'est, si on veut vraiment être précis, la première régulation en France, c'est 1935, c'est l'Office central des annonces. Ensuite, 1955, c'est la création du Bureau de vérification de la publicité. Et puis, la vraie explosion, le vrai emballement, l'accélération, c'est le Grenelle de l'environnement. Donc là, c'est 2007. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est que la régulation de la publicité... la réforme de la régulation de la publicité, elle est venue justement du sujet du greenwashing. Parce que c'est l'explosion du greenwashing au début des années 2000, hein, multiplication par 6 de l'argument publicitaire dans les publicités, de l'argument écologique dans les publicités, qui a fait que l'ensemble des ONG environnementales qui sont retrouvées autour de la table lors du Grenelle de l'environnement ont dit « ça suffit, on doit faire exploser ce système, on doit créer une autorité administrative dotée de pouvoir de sanction, parce que l'autorégulation seule des publicités par elle-même ne suffit pas ». Donc, introduisons un nouveau système. Alors, au départ, c'était l'idée de créer une autorité administrative indépendante. Borloo, à l'époque, le ministre de l'Environnement, a dit « on va tester une co-régulation », c'est-à-dire on va faire intervenir des associations de consommateurs, des ONG environnementales à l'intérieur du dispositif. On va créer un jury de déontologie de la publicité, et puis on verra si ça marche. Et puis, globalement, tout le monde a considéré que ça marchait plus ou moins bien à l'époque. Je pourrais peut-être revenir maintenant sur le constat de l'époque. Mais donc, on est resté sur ce système-là. Moi, dans la proposition que j'avais faite au ministre il y a 2 ans, c'était s'il y a 2 points à revoir, c'est l'accélération des décisions. Parce que tout le monde, chacun d'entre vous, vous pouvez porter plainte contre une publicité qui vous déplaît. C'est gratuit devant le jury déontologie. Il suffit d'aller sur le site et de porter plainte. C'est fait quasi immédiatement. Mais par contre, vous n'aurez le résultat que 2-3 mois après. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose parce que la publicité a été enlevée. En général, une campagne publicitaire, ça dure 15 jours, 3 semaines. Donc, le temps que la décision soit prise, il y a une relative inefficacité. Et puis, le deuxième, c'est la publicité des débats. Parce que pour savoir si une publicité a été condamnée pour greenwashing, il faut aller sur le site de l'autorité de régulation, aller sur la rubrique jury de déontologie, aller dans la rubrique avis. Donc, il n'y a pas de vrai principe de name and shame qui fonctionne. Donc, ça, c'est un point important. Donc, le débat continue, en tout cas, sur ce renforcement de la régulation. Parce que c'est un sujet qui est super important. Parce que le sujet du greenwashing, ce n'est pas simplement un meilleur contrôle de ce que peuvent dire les entreprises ou les organisations dans le domaine de la communication environnementale. Ce que beaucoup considèrent, c'est que le greenwashing, c'est un vrai enjeu par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique, parce que ça donne l'impression qu'il suffit presque de petits gestes, que presque une entreprise qui mettrait 2-3 éoliennes à côté de son siège social ou une ruche sur le toit de son siège serait un bon exemple de lutte contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire le fait de survaloriser un argument environnemental ayant un faible impact par rapport à l'ensemble du processus et de l'activité de l'entreprise, ça génère une perception qui est quand même pas très adaptée. Donc on pense qu'il y a un vrai sujet et sur lequel on doit se mobiliser. Et ça aujourd'hui, justement, là, est-ce que la réglementation permet effectivement de supprimer, ou en tout cas d'agir par rapport à ce greenwashing-là? C'est-à-dire dans quelle mesure on ne peut pas considérer que
c'est qu'une question d'interprétation, c'est-à-dire dire que je suis une entreprise tout à fait écologique parce que j'ai des éoliennes sur mon toit, même si tout le reste de ma production est tout à fait non écologique. Dans quelle mesure aujourd'hui les textes de loi qui encadrent la publicité permettent réellement au final de faire quelque chose contre ce qui peut relever de la simple liberté d'expression? Alors, il y a deux choses très intéressantes là dans la question. Le premier, et tu as raison de le préciser, c'est que quand on va interroger des entreprises qui ont été condamnées pour greenwashing, on a vraiment le sentiment que c'est plutôt de la maladresse. C'est-à-dire les gens, ah bon, je ne savais pas, on n'était pas au courant, on ne connaissait pas la recommandation développement durable, etc. Donc c'est presque dans l'idée, je suis assez fier, moi, entreprise, de ce que je fais, et donc je vais survaloriser, mais je n'ai pas l'impression d'être en dehors des clous. Il y a deux choses qui se passent sur le sujet actuellement. Le premier, c'est que ce qui était de la co-régulation, c'est-à-dire des principes déontologiques, depuis la loi lutte contre le gaspillage et économie circulaire et puis la loi climat résilience qui a été votée l'été dernier, on passe à un autre stade. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur des principes déontologiques, on est sur des principes juridiques. Et beaucoup d'ONG, notamment environnementales, portent plainte devant les tribunaux et non plus devant l'autorité. Donc on quitte la soft law pour aller dans le hard law. Et puis le deuxième, c'est le sujet sur lequel moi je travaille actuellement au Comité économique social européen, c'est que le sujet il prend une dimension européenne. Et là, très récemment, c'est le 30 mars dernier, 30 mars 2022, la Commission européenne a proposé une modification de directive, Empowering Consumers in the Green Transition, pour faire du consommateur un vrai levier de la transition écologique. Si je peux citer un seul chiffre, 68% des consommateurs européens disent « je souhaite prendre en compte l'impact environnemental des produits que j'achète », 68%, et 61% disent « mais je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment m'y retrouver. Je ne sais pas si ce que me disent les entreprises, je ne sais pas ce que je vois sur les produits, je ne sais pas ce que je vois dans la publicité, si c'est vrai ou pas. Donc on voit qu'il y a peut-être nécessité que le débat français, il aille aussi au niveau européen, parce que la communication, elle ne connaît pas de frontières, et qu'on a plutôt intérêt justement à avoir un socle commun dans l'ensemble des pays de l'Union européenne pour se mettre d'accord sur est-ce que ça, on est en dehors des clous quand on parle d'environnement ou pas. Et puis je terminerai sur un point, c'est que le sujet important, je suis d'accord avec Maximilien quand il dit la publicité, c'est un levier de croissance. Alors, je pense que globalement, la plupart des économistes sont d'accord avec ça. La publicité favorise la croissance. De toute façon, j'imagine pas les entreprises qui feraient de la publicité à fond perdu. La question qui se pose essentielle, c'est de quel type de croissance parle-t-on ? Voilà. C'est-à-dire au moment justement où on doit s'interroger sur la nécessaire sobriété, penser que la publicité c'est un outil au service de la vente, là-dessus on est d'accord, mais là un travail qu'on avait fait dans mon université, l'Université catholique de Louvain, on avait examiné plein de messages publicitaires et on a vu que les deux mots qui revenaient le plus souvent, c'est le mot plaisir et le mot bonheur. C'est-à-dire c'est le plaisir dans la consommation. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à essayer de travailler peut-être sur ce que j'appelle les éléments de décor, sur les stéréotypes, sur ce que montre avoir la publicité. Par exemple, pourquoi quand on vend une publicité automobile, un véhicule automobile, c'est toujours un homme seul, mâle, dominant, la quarantaine, au volant de son véhicule, seul. Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas du covoiturage, de l'autopartage ou des choses comme ça? Et puis, tout dernier point, je vais terminer par ça, c'est le sujet presque du déséquilibre dans le combat, si on veut caricaturer à outrance, mais des messages de sensibilisation à l'écologie, à la transition, au problème de sobriété. Combien vous en recevez par jour? Voilà, en étant optimiste, 4, 5, des messages qui vous disent voilà, faites attention dans votre comportement tous les jours, vous avez aussi un impact, une responsabilité, etc. Des messages de pub qui vous incitent à consommer, selon les études et ce qu'on entend par la publicité, vous en recevez entre 400 et 3000 qui vous disent voilà, consommer par jour. Donc on voit qu'il y a quand même un sujet et qu'à la limite, on a raison de s'interroger aujourd'hui sur le rôle de la publicité, sans caricaturer, sans faire de la publicité un bouc émissaire, parce que les séries hollywoodiennes, le cinéma, etc., nous disent aussi un peu la même chose. Hein. Le modèle de vie qui est vendu par les séries télé, c'est un peu la même chose que dans la publicité. Donc, OK pour travailler sur ce sujet-là, mais pas caricaturer non plus sur la publicité qui serait le seul obstacle à la transition écologique. On va poursuivre le débat avec vous, Mathilde.
On parlait des effets pervers de la publicité, la surconsommation. Donc, quand il y a une activité économique qui a un effet pervers, il y a plusieurs manières de s'y prendre. On peut réglementer. Ce qu'on a fait globalement en France, en Europe, on a réglementé avec des chartes de déontologie, avec de la loi, des textes de loi. On peut interdire, mais c'est compliqué juridiquement parce qu'encore une fois, il y a la liberté d'expression et comment on peut interdire à des entreprises de s'exprimer si elles restent dans le cadre de la loi. Mais on peut aussi taxer. Et c'est ce que vous proposez avec le rapport de communication et démocratie qui vient d'être publié. Donc, vous appelez à taxer la publicité et vous vous basez sur une étude qui analyse donc l'effet économique de cette publicité. Donc, simple question, pourquoi taxer la publicité? Pourquoi ça vous semble efficace et comment on fait? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et juste peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, je pense que aujourd'hui, on est dans un débat où les promoteurs de la publicité nous disent que c'est important pour la croissance, on vient de le dire, que c'est aussi important pour faire la promotion des produits verts. Nous, quand on a préparé ce rapport, on s'est appuyé donc sur une étude universitaire qui regarde les dépenses de communication commerciale en France depuis 30 ans. Sur 30 ans et jusqu'en 2019. Et on a pu voir que ça avait eu un effet cumulé sur l'augmentation de la consommation de 5,3%. Et que c'est d'ailleurs une augmentation de la consommation qui est financée par les consommateurs, par une augmentation du temps de travail à hauteur de 6% aussi au niveau cumulé. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un modèle de publicité qui, aujourd'hui, de croissance qui est tiré par cette publicité et qui alimente une surconsommation. L'exemple qui était donné tout à l'heure, il est intéressant, celui des smartphones. Aujourd'hui, on sait que 9 Français sur 10 renouvellent leur smartphone alors qu'il marche encore. Et donc, on a une publicité qui alimente des mécanismes d'obsolescence psychologique, d'obsolescence marketing. Et en fait, le niveau de pression publicitaire auquel on est soumis, nous, le mécanisme, c'est que ça a tendance à nous rendre insatisfaits avec notre niveau actuel de consommation. Plus on reçoit des messages pour nous encourager à consommer, plus on se dit que ce qu'on consomme déjà aujourd'hui ne serait pas suffisant et qu'on voudrait pouvoir consommer plus. Et c'est ce mécanisme-là qui est aujourd'hui problématique d'un point de vue écologique. Aujourd'hui, on a quand même des messages très clairs. Encore hier soir, la Première ministre a dit qu'il fallait éviter de stigmatiser les gens sur leur façon de vivre, mais plutôt donner envie d'autre chose. Et donc, je pense que pour ces deux arguments-là, agir sur la publicité, c'est vraiment quelque chose d'important. Le GIEC aussi, vous l'avez souligné, a dit un message très clair dans son dernier rapport sur la sobriété. Et il a aussi pointé l'importance de réguler la publicité dans cette optique-là. Et c'est aussi le message du Haut Conseil pour le climat qui dit qu'aujourd'hui, on est à un niveau où les ménages sont suréquipés. Donc, il y a quand même une bonne partie de la consommation qui ne serait pas forcément nécessaire et qui est alimentée par ces messages publicitaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a voulu tester plusieurs scénarios de taxes dans l'étude universitaire qui a été menée. Aujourd'hui, il y a un niveau de fiscalité qui est très faible sur les dépenses de communication commerciale, alors qu'elles sont très élevées, hein, plus de 30 milliards par an. C'est plus que la recherche et développement des entreprises, pour vous donner un ordre d'idée. Et ce qu'on a considéré, alors c'était un peu difficile de reconstituer, mais c'est qu'il y a un niveau de pression publicitaire qui est à peu près à l'ordre de 2,5%. Et encore, c'est des taxes qui sont très éparses, qui ne cible pas toutes les dépenses, surtout il y en a qui sont que pour certains secteurs. Donc, c'est vraiment un paysage qui est très, très épars. Mais si on doublait cette taxe, ou voire si on s'approchait d'un triplement, on pourrait avoir des effets très, très significatifs sur les dépenses de communication commerciale. Donc, nous, le scénario qu'on voudrait privilégier, ce serait une taxe à 8% sur les dépenses de communication commerciale. Et en particulier, on pourrait même le resserrer sur une taxe qui viserait en priorité la publicité et les dépenses de relations publiques, en enlevant le marketing du ciblage. Et c'est une taxe qui donc permettrait de réduire considérablement la pression publicitaire et qui, en termes économiques, augmenterait le bien-être des populations, puisque la baisse de consommation que ça engendrerait serait largement compensée par la baisse du temps de travail. Et donc, rien qu'en termes économiques,
assez rudimentaire, ça se traduit par une augmentation du bien-être. Mais après, on a fait effectivement d'autres recommandations parce qu'il nous semble que pour certains produits qui sont particulièrement impactants sur l'environnement, il faut aller vers des logiques d'interdiction de la communication commerciale. C'était aussi ce que recommandait le rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Ça devrait aussi être le cas pour des produits qui sont nocifs pour la santé, comme la malbouffe. Parce que quand on a regardé aussi les dépenses de publicité, on voit qu'elles sont très concentrées entre les mains de quelques annonceurs et très concentrées aussi sur des produits spécifiques. Donc là, on pourrait aller vers une logique d'interdiction pour certains de ces produits les plus problématiques. Et puis après, effectivement, on recommande aussi d'avoir une autorité administrative véritablement indépendante en charge de la régulation a priori des contenus de communication commerciale pour essayer de muscler ce qui s'est développé depuis le Grenelle de l'environnement pour lutter contre les incitations au gaspillage, l'obsolescence marketing et le blanchiment d'image sur les produits. Justement, on va essayer de lancer les débats à partir de cette question de l'interdiction. Ce qu'on peut interdire, c'est déjà le cas d'ailleurs pour certains produits, mais qui de toute façon ne faisaient l'objet que de très peu de publicité. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire de la publicité pour de l'essence. Ou pour du gaz, mais il y en avait déjà très peu. Et donc, je crois que les actes réglementaires sont même pas encore passés. Oui, donc ça avait été annoncé, mais c'est vrai que suite à la loi climat. Mais dans tous les cas, ça se voit pas trop parce que c'est vrai que de la pub pour de l'essence, on n'en voit pas aujourd'hui. Alors par contre, la question. Non, mais l'interdiction connue, c'est celle pour les cigarettes, par contre. Oui, par exemple pour les cigarettes. Donc plutôt sur des questions de santé publique. C'est vrai que là, pour le coup, la loi va beaucoup plus loin que pour les questions écologiques. Mais si on la prend pour les questions écologiques, jusqu'où on pourrait aller? C'est-à-dire que si on prend pour principe que à peu près tout produit a besoin d'énergie pour être fabriqué, donc génère des gaz à effet de serre, où est-ce qu'on met la limite dans ce qu'on peut dans les publicités qu'on interdit, dans les produits qui ne doivent pas faire l'objet de publicité? Est-ce qu'une voiture thermique pourrait faire l'objet de ça? Mais à ce moment, est-ce qu'une voiture électrique très lourde qui émet beaucoup de gaz à effet de serre lors de sa phase de production, devrait l'être aussi. Comment on peut aborder ce débat? Je ne vous demande pas forcément de me faire une typologie des biens à interdire ou pas, mais comment on pourrait aborder ce débat-là? Alors, les citoyens réunis dans la Convention citoyenne, eux, essayaient de développer l'idée d'avoir un carbon score, donc d'avoir des éléments tangibles à disposition pour ensuite pouvoir faire des taxonomies et décider quelles doivent être les produits ou les services à interdire en priorité. Je pense que c'est effectivement sur la base d'éléments factuels qu'il faut pouvoir avoir un débat démocratique et ouvert, d'ailleurs, parce que ce n'est pas ni à l'Institut Veblen ni à une association toute seule de dresser une liste. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi des choses où, quand on va vers des logiques d'interdiction, par exemple sur les véhicules thermiques, il y a maintenant une interdiction qui a été donnée à l'échelle européenne avec une date de fin de commercialisation. On pourrait imaginer que ce serait logique d'arrêter la publicité pour ces produits-là en amont de la date d'interdiction de la commercialisation. Ça semblerait aller dans le sens tout à fait logique de ces efforts. Maximilien, Thierry, est-ce que la mise en place d'un mécanisme d'interdiction suivant par exemple un carbon score, donc c'est un peu comme un Nutri-Score, quoi, mais pour les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça vous semble quelque chose de possible juridiquement, et quels seraient selon vous les effets économiques d'une telle mesure? Alors juridiquement, oui, c'est possible, c'est concevable. La preuve, ça a déjà été fait pour d'autres. Enfin, la référence, c'est la loi E20 qui interdit la publicité, tabac, alcool, etc. Donc si on considère que sur le même principe que la publicité relative aux produits fossiles est un danger pour la planète, on est dans la même logique. Donc oui, c'est possible. Après, le sujet, c'est où plaçons le curseur. C'est-à-dire, déjà, dans les grands débats, c'est... Par exemple, moi, je ne suis pas favorable au carbon score. Je suis d'accord à l'idée qui d'ailleurs, arrive
va arriver le mois prochain, c'est plutôt l'idée de Product Environmental Footprint, c'est-à-dire c'est un ensemble d'indicateurs. C'est-à-dire pourquoi se focaliser uniquement sur le CO2 alors qu'il y a des impacts en termes de déchets, en termes d'eau, en termes de biodiversité, etc. etc. Donc une approche peut-être un peu plus ouverte que seulement ciblée sur le sujet du carbone. Après, comme tu as dit, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'idée que l'intégration, c'est le stade ultime. Et la preuve, c'est que les décrets sont en train de sortir et que déjà, on remet à plus tard. Par exemple, tu as parlé du gaz. Non, le gaz, on verra plus tard. C'est déjà sorti. Donc, on sent qu'il y a quand même un lobby des annonceurs qui est assez puissant. Moi, je suis dans l'idée un peu épée de Damoclès, c'est-à-dire prenons le pari. Voyons déjà quels sont les vrais engagements que vous êtes prêts à prendre. Donc, la filière communication de l'année dernière a pris 7 engagements. Il y en a quelques-uns qui marchent plutôt bien. Il y en a qui marchent absolument pas. Par exemple, là, je suis complètement d'accord avec Mathilde sur l'idée et Maximilien dans l'idée qu'il y a une vraie concentration de la publicité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrivera à la transition écologique avec une poignée d'annonceurs qui font les produits essentiels. Comment demain, une start-up éco-innovante, comment une coopérative agricole peut avoir aussi un accès pour vendre des produits éco-responsables. On ne peut pas parce que le ticket publicitaire, il est trop cher. Donc, moi, j'avais proposé à l'époque une éco-contribution sur les dépenses de publicité. Ça n'a pas été repris. Et pourtant, moi, j'étais déjà sur 1%. Donc, on est loin des 8% de Veblen. Mais si on n'arrive pas, il faudra un jour en passer par là et par des interdictions et par des choses un peu trop lourdes. Donc, je dis, la balle, elle est dans le camp des annonceurs. J'ai un peu l'impression qu'il y a une dynamique que beaucoup ont compris. En tout cas, les grandes agences de publicité ont compris. Alors, après, il faut voir si c'est parce qu'elles ont vraiment compris ou c'est par effet un peu tactique, stratégique dans le débat de prendre un peu les devants pour empêcher des interdictions. Mais j'ai un peu le sentiment qu'il y a une dynamique. Là, on a lancé il y a une dizaine de jours le guide ADEME de la communication responsable. Moi, j'ai vu quand même une sorte de prise de conscience. Donc, il faut voir si ça avance un peu. Il y a des sujets sur lesquels ça n'a pas du tout avancé. Et donc, l'idée d'aller sur une interdiction, moi, je serais favorable. Sous le seul principe d'avoir une sorte de consensus des parties prenantes, c'est-à-dire pas seulement l'État ou des entreprises qui décideraient, mais qu'il y ait des ONG environnementales, il y ait des associations de consommateurs, il y ait des experts, il y ait des académiques. Parce que comment est-ce qu'on va différencier ? La question, elle est excellente. Qu'est-ce qui fait qu'on va interdire tel type de publicité et pas tel autre ? Est-ce que c'est simplement parce que c'est du carbone ou est-ce que c'est le tonnage de ton SUV, un SUV électrique ou hydrogène ? Pourquoi est-ce qu'on l'accepterait et pas une mini Twingo qui serait thermique. Une publicité dans laquelle tu aurais un véhicule thermique, un véhicule hydrogène, un véhicule électrique, est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Donc on voit qu'il y a des questions qui sont un peu techniques, donc c'est un sujet sur lequel, là-dessus, il faut un peu faire attention si on veut qu'il y ait une acceptabilité sociale, parce que l'enjeu, il est tellement important. Maximilien, votre avis sur ça donnait quoi, l'autorégulation du milieu de la publicité ? Est-ce que on peut faire déjà un bilan, et donc il faut aller au-delà. Alors, je réponds sur la taxation, ensuite l'interdiction. Donc déjà, la taxation, il y a deux choses. Est-ce qu'on est prêt à diminuer la consommation et la croissance ? Je dirais que si... Donc tous ces débats, ça me fait penser à un discours sur l'économie politique de Rousseau, où Rousseau critique les gens qui se roulent en carrosse. Tout ça, c'est des débats qui sont anciens, en réalité. Et en fait, ce que dit Rousseau, il dit, on va laisser les carrosses rouler, mais par contre, on va les taxer. Et les gens qui roulent en carrosse sont tellement contents de rouler en carrosse, de toute façon qu'ils vont être prêts à payer. En fait, c'est une façon marrante de parler de l'inélasticité de la demande au prix. Et donc là, moi, pour moi, un des sujets de la taxation, c'est est-ce que si vous augmentez donc la taxation de la publicité, est-ce que la demande est inélastique à cette augmentation de la taxation ? Je dirais, je suis très cynique, je suis économiste cynique. Si c'est inélastique, allons-y, il faut taxer. Je veux dire, de toute façon, les gens ils vont continuer à payer Apple. Donc allons-y, il faut taxer. En plus, Apple, ça vient de Chine, alors allons-y. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est bien pour prendre des recettes fiscales et peut-être pour financer des projets qui ne seraient pas financés. Donc ça, au final, si les produits à la fin sont quand même produits avec tout ce que ça génère de gaz à effet de serre, on ne sera pas arrivé au résultat qu'on souhaitait au départ. Alors, je continue. Ensuite, et là, je pense que même Mathilde, elle va peut-être être d'accord, on va voir. Si on taxe, mais pas seulement réellement, il y a une élasticité, ça diminue la consommation. Donc là, clairement, on fait en toute conscience,
Si ça diminue la consommation, ça va diminuer la croissance et il y aura des effets. D'accord ? L'Europe, la zone euro, c'est quand même une zone qui a une croissance faible par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on est prêt à ça ? Oui ou non ? Si on est prêt à ça, allons-y. Voilà, il y aura des conséquences. Donc, moi, déjà, je pense qu'il faut, il faut voir quelle est l'élasticité de cette mesure de taxation à la demande donc, du bien. Première chose. Deuxième chose, est-ce que, en fait, et donc là, on arrive sur les intérêts, sur l'énergie. Moi, je vois beaucoup de pubs d'Engie, beaucoup de pubs de gaz, beaucoup de pubs d'électricité. En fait, les énergéticiens, c'est des très gros annonceurs. Et il n'y a pas seulement les énergéticiens qui vont se plaindre. Il y a aussi, et n'oubliez pas ça, il y a les médias. Quand Sarkozy avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sarkozy avait enlevé la pub sur France 2, France 3, etc., ça avait fait un scandale des annonceurs. Et en fait, les médias, ils ont besoin de cet argent-là. Je vais donner l'exemple de Netflix. Netflix, avant, c'est payant. Maintenant, là, ils vont mettre de la pub. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ça va attaquer aussi beaucoup d'intérêts. Donc le sujet, c'est, et là on revient sur ce que disait Mathilde, c'est est-ce qu'il y a des consommations, comme la cigarette, il ne veut pas que les gens fument parce qu'il y a du cancer, etc. Est-ce qu'il y a des consommations qu'on veut limiter ? Donc s'il y a des consommations qu'on veut limiter, la taxation et l'interdiction est envisageable. Donc est-ce qu'on veut limiter ? Alors moi, je vous dis, hein, et là il y a le côté aussi démocratique. Le tourisme, je veux dire là maintenant le Covid est fini, j'étais à Cannes pour une conférence, j'ai pris le train, il y avait, je sais pas, trois quarts de la conférence qui avait pris l'avion. Donc, ce que je veux dire, c'est que des gens qui parlent de ESG, de machin, etc. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on interdit l'avion sur les petites distances ? Est-ce que on, vous voyez, c'est pas que la publicité là. À un moment, la publicité, c'est aussi, je vais pas défendre la publicité, mais c'est un symptôme. Est-ce que le tourisme, là, je rentre dans le métro, je veux dire, est-ce que vous allez passer, où est-ce que vous, le Lufthansa, où est-ce que vous allez passer les vacances ? Bon bah, on va aux Maldives. Ouais, ce que je veux dire, et là, on revient sur ces sujets de rivalité entre les consommateurs et de psychologie humaine. Donc, où est-ce que tu as passé les vacances ? Je suis allé aux Maldives. Donc, si, c'est ça, la publicité. En fait. Donc, est-ce qu'on veut contrôler ça ? Peut-être que la réponse des écologistes, c'est oui, parce que si on ne contrôle pas ça, il va y avoir des problèmes écologiques. Mais à un moment, je pense qu'il faut dire les choses très clairement et dire quel est l'objectif. Et l'objectif, c'est justement que oui, peut-être que ça coûte trop cher en carbone, en écologie, d'aller en vacances aux Maldives pendant toutes les vacances scolaires. Donc voilà, je pense qu'il faut dire les choses quand même. Et après, la publicité, c'est une manifestation de ça. Alors, Mathieu, je voulais votre avis là-dessus. Est-ce que la publicité, on peut la voir comme la cause de cette surconsommation que vient d'exposer Maximilien, ou est-ce que c'en est qu'un symptôme ? Est-ce que donc, il faut nécessairement agir au-delà de la publicité, c'est-à-dire plutôt que d'interdire la publicité pour tel appareil dont la production a été très polluante, pourquoi pas interdire tout bonnement la production de cet appareil ? Jusqu'où on va et dans quelle mesure, voilà, il faut tout simplement réguler l'activité économique plutôt que de simplement réguler la publicité ? Alors, je pense que dans tous ceux qui proposent des choses pour réguler la publicité, ce sont des organisations, enfin pour des raisons environnementales ou sanitaires, ce sont des organisations qui se soucient aussi de la régulation des activités, des biens et des services dont il est fait la promotion dans la publicité. Ça, c'est à mon avis une évidence. Et c'était bien la logique de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire on interdit les vols d'avions pour les petites distances quand il y a une alternative en train pour moins de X heures qui existent. Enfin, et donc, il me semble que c'est intéressant de pouvoir travailler sur les deux leviers en même temps. Après, ce qu'on a vu aussi, nous, en décortiquant les chiffres, c'est que, par exemple, le secteur voyage-tourisme dans la publicité, c'est effectivement un poids lourd, mais un cinquième des dépenses de ce secteur, c'est le fast-food. Et trois marques, McDonald's, Burger King et KFC. Donc, on voit qu'il y a quand même là des secteurs de la consommation dans lesquels on pourrait se féliciter d'une baisse de la consommation. Et encore une fois, je pense que la question, ce n'est pas hausser ou diminuer, c'est quelle consommation on privilégie. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, dans la préconisation de taxes qu'on fait, on dit qu'il faudrait que ce soit une taxe qui s'applique aux très grands annonceurs et que les produits ou les services qui sont bons pour la transition écologique puissent être exemptés, par exemple l'agriculture biologique, des produits qui sont basés sur du réemploi. Enfin, on pourrait ensuite travailler sur des critères comme ça. Mais,
Mais je pense que c'est important. Et l'autre chose où on a un petit point de désaccord, c'est que nous, ce qu'on a vu dans l'étude qui a été menée, c'est qu'en fait, la publicité, elle a un effet anticoncurrentiel, puisque il y a 31 annonceurs qui ont pris un cinquième du marché de la publicité encore en 2019. Et en fait, on voit que ça a tendance à augmenter leur taux de marge et leur pouvoir de marché parce qu'ils sont capables de différencier leurs produits, de faire croire en tout cas que leurs produits sont différents et donc de fixer leur prix, comme on le disait pour Apple. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, ce ne serait pas forcément mauvais pour l'économie que d'essayer de réduire la pression. Et après, ce que je disais aussi en introduction, le niveau de pression est important aussi sur le niveau de satisfaction ou d'insatisfaction avec notre propre consommation. Donc là aussi, il y a un intérêt avec ce type d'outil économique pour agir. Thierry, est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que la publicité est un symptôme ou est-ce que c'est une cause ? Ou est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est souvent les deux au final ? Oui. Moi, je travaille, je suis au comité de l'éthique publicitaire en France et on a la chance dans les membres d'avoir un psychanalyste. Et pour avoir discuté avec lui me dit, mais c'est la nature humaine, quoi. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de publicité, on essaierait d'avoir la plus grosse voiture, la plus grande maison, etc. Donc, il faut aussi bien savoir que la publicité, elle profite aussi. Enfin, quand on fait... Pour les étudiants en communication, en marketing, etc., la base de la publicité, c'est l'insight consumer, c'est-à-dire l'étude vraiment des préoccupations, des attentes du consommateur. Et la publicité, elle prend parti un peu de ce qu'expriment les consommateurs. Ça n'enlève rien au rôle de la publicité, justement, pour en rajouter, pour caricaturer et pour aller au-delà, pour profiter. Donc, clairement, la publicité, elle a un rôle. Elle n'a pas un rôle unique, mais elle a un rôle important. Premier point. Deuxième élément qui est fondamental, je ne voudrais pas qu'on soit, même si c'est le thème du débat, sur une focalisation totale sur le sujet de la publicité, parce que, et le rapport de Mathilde le montre bien, c'est vraiment la communication commerciale. Et dans la communication commerciale, il y a les prospectus dans les boîtes aux lettres, il y a le street marketing, il y a plein d'autres choses. Moi, par exemple, je trouve étonnant qu'il y a une forte régulation dans le domaine de la publicité du greenwashing, mais il y a quasiment rien dans le domaine du marketing. C'est-à-dire, vous pouvez, dans une publicité, on ne pourrait pas dire qu'un produit est écologique, ça c'est interdit. Vous pouvez dire que vous contribuez à ou que vous améliorez, mais par exemple sur le packaging de votre produit, c'est-à-dire dans une démarche marketing, vous pouvez appeler votre produit Naturalia, écologie, quelque chose, etc. Donc on voit qu'il y a quand même, il faut élargir un peu le spectre et dans un domaine tout à fait différent, mais comme on est dans l'économie, dans le domaine de la finance, moi je suis étonné de ce que je vois dans l'investissement socialement responsable, la vraie réalité des investissements qui ne sont pas toujours très clean. Il y a un greenwashing dans la communication financière qui est aussi à prendre en compte. Donc je crois qu'il faut élargir. Et puis dernier point, c'est quand on parle de publicité, faut vraiment voir ce qu'est le paysage de la publicité actuellement en France et dans le monde. C'est-à-dire, c'est plus ce qu'on imaginait de la publicité, ce qu'on voit à la télévision, etc. La moitié des dépenses de publicité dans le monde, c'est sur le digital, sur le numérique. Et 80% de la publicité sur l'espace numérique, c'est ce qu'on appelle de la publicité programmatique. Pour le dire rapidement, c'est de la publicité d'ordinateur à ordinateur sans aucune intervention humaine. C'est-à-dire, en fonction de l'audience et du prix, les flux publicitaires se dirigent vers tel ou tel. Et ça pose aussi des questions presque de liberté individuelle, de contact individuel. Faites l'expérience, ça marche à tous les coups. Allez sur un moteur de recherche et dites que vous cherchez un réfrigérateur. Je vous parie que 10 secondes après, vous avez une publicité pour un réfrigérateur sur votre colonne de droite. Donc il y a aussi des enjeux de publicité, de communication qui dépassent un peu le sujet. On va passer à une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions, si le sujet vous intéresse sur la publicité, sur votre exposition quotidienne à la publicité, sur... On a une question ici.
Le micro arrive. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Il y a quelques années, en fait, Yann Arthus-Bertrand avait fait une conférence avec Cyril Dion et il expliquait que mon smartphone qui vient de tomber, c'est un signe. Et il expliquait que ça faisait 40 ans qu'il essayait de sensibiliser les gens à l'écologie et qu'en fait, la situation était pire que quand il avait commencé à le faire. Il disait « Je suis désespéré ». Il était au bord des larmes, vraiment, il n'était pas bien. Et en fait, je suis intervenu à ce moment-là en disant « Mais en fait, il y a un truc dont on n'a pas conscience parce que c'est notre quotidien, c'est qu'on est harcelé pour consommer. » Et à ce moment-là, on était en pleine campagne de SUV, et c'est l'exemple type, le SUV, puisque c'est le truc dont on n'a vraiment pas besoin. On pourrait très bien avoir d'autres types de véhicules, notamment des berlines, il y en avait à l'époque, et qu'on nous a amenés à prendre, à consommer, en nous montrant des images absolument sublimes au bord de la mer. Voilà, et ça donnait envie. Et en fait, pendant ce temps-là, les constructeurs se gavaient puisqu'ils faisaient plus de marge grâce au SUV. Mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un imaginaire qui nous pousse à consommer des choses dont on n'a vraiment pas besoin, en fait. Et c'est pour... On n'arrive pas à y échapper. C'est vraiment un processus psychologique, effectivement, qui fait que c'est trop puissant, en fait. La publicité, c'est trop puissant. Et donc, je me pose vraiment la question, mais en fait, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à carrément supprimer toutes les publicités qui, effectivement, sont nocives et à financer, pour le coup, à aider à financer tous les produits émergents qui permettent de remplacer les produits qui polluent et qui, pour l'instant, n'en arrivent pas à se développer parce qu'ils n'ont pas assez de moyens de le faire. Alors, une réponse peut-être. Est-ce que, peut-être Mathilde, justement, on parlait de l'effet Veblen tout à l'heure, la consommation ostentatoire, l'envie qu'a chaque consommateur d'avoir la plus grosse maison, la plus grosse voiture. Est-ce que, quand on l'analyse, est-ce que ça, c'est lié à la publicité ou est-ce que c'est quasiment une espèce de trait commun de l'humanité qui va avoir toujours plus gros et même si c'est le cas, dans quelle mesure voilà, on pourrait, d'une certaine manière, annuler ou au moins diminuer cet effet-là? Je pense que Thierry le disait bien tout à l'heure, la publicité n'a pas tout inventé, elle s'appuie sur des caractéristiques psychologiques, et avant même qu'elle prenne autant de place dans nos vies, les gens, dans justement ce que montrait Veblen, se montraient dans la société, dans les endroits qui comptent, et les tenues des uns et des autres, leurs moyens de locomotion, etc., étaient déjà scrutés avec envie et d'une force de mimétisme. Et ce mimétisme-là, il se produit bien au-delà de la publicité par les médias, les séries, la télévision, les clips, la musique, enfin beaucoup d'autres vecteurs, évidemment. Mais je pense qu'on a quand même là une industrie qui pèse lourd. C'est plus de 30 milliards de dépenses de communication commerciale annuelles en France. Et donc qui appuie sur ces ressorts-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est quand même intéressant de s'y pencher et de regarder ce qu'on peut y faire. Je pense qu'il y a eu une forte montée du débat public sur ces sujets-là au moment de la Convention citoyenne aussi, parce que Thierry a rendu ce rapport pour les ministères. Il y a eu à ce moment-là, en plus, plusieurs ONG qui ont publié des choses sur la publicité. Et ça a un petit peu avorté parce que le débat est difficile, parce qu'effectivement, les gens du secteur de l'industrie publicitaire se sont retrouvés presque surpris de voir la force de ces critiques et des propositions qui étaient mises en avant. Mais je pense qu'il faut remettre le sujet sur la table et continuer à discuter pour voir ce qui peut être fait véritablement, parce qu'on n'est vraiment qu'au début. Et le fait que le GIEC insiste autant, que le Haut Conseil pour le Climat, etc., c'est que vraiment, on a devant nous
des efforts colossaux à faire. Donc aujourd'hui, la consommation, enfin l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes d'équivalent CO2. Pour aller respecter l'accord de Paris, on devrait aller vers 2. Donc on a beaucoup de chemin à faire. La consommation personnelle ne peut pas tout faire. Ça a bien été montré. Il faut aussi des investissements publics. Il faut aussi changer des choses à l'échelle collective. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites à l'échelle individuelle. Et la publicité est quand même un des vecteurs sur lesquels il faut agir. Et sans compter que là, on ne parle que de climat. Et comme disait très bien Thierry, la question des limites planétaires, de la crise écologique est encore plus large que celle-là. Une réaction, Maxime. Petite remarque par rapport à ce que disait l'auditeur. En fait, il y a aujourd'hui des outils digitaux qui permettraient donc aux gens qui le souhaitent de mieux contrôler leur consommation, d'arbitrer vers les marques ou vers les entreprises qui font de l'économie carbone. Je ne vais pas forcément citer de noms, mais vous avez des néo-banques vertes qui ont très peu de succès. Ça reste, moi, je travaille à Finance Innovation. Il y a plein d'innovations digitales qui permettent, par exemple, vous pouvez scanner votre ticket de caisse. Et je dis n'importe quoi, d'accord. Vous avez une marque, n'importe quoi, Erta, Charal, etc. Il vous dit quel est l'impact carbone de cette marque. Et tiens, tu devrais, avec un partenariat avec une autre start-up, tu devrais plutôt acheter telle autre marque parce qu'elle a fait tel impact carbone. Je comprends quand vous dites oui, on est submergé de publicité. C'est vrai qu'il y a un imaginaire de la rivalité ostentatoire entre les gens. Mais si on veut, c'est des gens militants aussi qui sont dans ces milieux-là. Ils peuvent agir. Il y a des outils digitaux. Pourquoi ne pas être dans une banque alors évidemment, il y a du greenwashing dans la finance, mais il n'y a pas que du greenwashing. Il y a des conflits dans le monde de la finance entre ceux qui veulent vraiment que les fonds soient green et ceux qui sont plutôt pour du greenwashing. Et donc vous pouvez choisir des produits financiers qui permettent vraiment de l'investissement ISR, du vrai investissement ISR. Vous pouvez, vous, par votre propre consommation, arbitrer les choses. Et peut-être qu'il faudrait aussi de la publicité pour faire... Et je pense que dans le rapport, ce qui est intéressant, c'est cette concentration des dépenses publicitaires. Est-ce qu'il y a de la place pour les nouveaux entrants? Pour moi, je pense c'est des vrais sujets. Est-ce qu'il y a de la place pour les nouveaux entrants? Pour des nouveaux entrants, justement, qui sont vers cette sobriété. Il faut utiliser la puissance de la publicité pour aller aussi dans le sens où on veut aller. Je veux dire, il faut réfléchir à ce genre de choses. Et un dernier point, il y a des outils aujourd'hui digitaux qui permettent aux entreprises de contrôler. Un des problèmes qu'on a dans la mondialisation, c'est qu'on externalise la responsabilité. En fait, c'est le sous-traitant en Chine, etc., qui pollue, qui fait. Vous avez des outils aujourd'hui où vous pouvez voir quel est l'impact de votre supply chain sur l'impact carbone. Donc, en fait, il y a plein de pistes. La publicité, c'est une des pistes. Il faut peut-être retourner la puissance de la publicité contre elle-même en la mettant au service de l'objectif qui est le nôtre. Et pour ça, il y a le digital, il y a plein de solutions. Sur ces outils, justement, il y a une deuxième question qui s'adresse à vous, Thierry, de Benoît, qui dit « Je ne comprends pas comment on peut être contre le carbon score, parce que même si on ne sait pas encore bien mesurer les impacts sur l'eau, sur la biodiversité, c'est-à-dire sur toutes les autres composantes de l'écologie sur lesquelles il faudrait bien sûr agir, dit, pour l'instant, on sait peut-être faire un carbon score. Pourquoi on ne commencerait pas déjà avec ça? Ce serait déjà peut-être un bon début. » Donc, une réaction peut-être de votre part. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir, une méthode parfaite pour calculer l'impact écologique avec toutes les limites méthodologiques que ça peut avoir? Ou est-ce qu'on peut essayer de commencer, un peu comme on l'a fait avec le Nutri-Score, d'ailleurs, qui est des fois critiqué, mais qui finit par s'imposer petit à petit? Est-ce que le Carbon Score, finalement, ne pourrait pas faire la même chose? Et merci à Benoît, parce que peut-être je me suis mal exprimé, je ne suis pas contre le principe du carbon score. Je dis simplement que le carbon score, il peut donner une vision peut-être un peu réduite de la réalité des problèmes de transition écologique. Donc si le carbon score est prêt, commençons par là. Mais d'un autre côté, il y a le Product Environmental Footprint qui sort dans 2 mois. Donc il ne faut peut-être aussi pas trop être dans la surinformation du consommateur, parce que sinon on risque de le déboussoler, il ne comprendra pas grand-chose. Déjà là, depuis le 1er janvier 2021, on a un indice de réparabilité sur les produits. En 2024, on a un indice de durabilité qui arrive. Il faut peut-être aussi harmoniser l'ensemble des choses, parce que sinon, vouloir trop bien faire, on risque d'avoir un effet boomerang. Comme je pense qu'on arrive à la fin du débat, je voudrais aussi dire un mot par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, il y a un événement fort qui m'a marqué dans ma vie, c'était au moment du Grenelle de l'environnement. J'ai participé au Grenelle, j'étais un des négociateurs,
Et on était vraiment fiers du travail qu'on avait accompli. Donc c'est le début du quinquennat de Sarkozy. Première fois que les ONG environnementales sont reconnues pour participer à la feuille de route de l'environnement pour les 5 prochaines années. Moi, j'avais vraiment, j'étais super fier. Et puis à la fin, donc, on est reçu par le ministre, on est reçu dans la grande salle d'honneur du Palais de l'Élysée. Il y avait prix Nobel de la paix, il y avait le président de la Commission européenne, il y avait Al Gore qui était là, etc. Et donc j'étais super content du boulot que j'avais fait, etc. Et des propositions qu'on remettait au président de la République. Enfin, on était 40. Et puis peut-être parce que j'étais trop content, trop fier, etc., peut-être que je la ramenais un petit peu. Il y a mon voisin de droite, qui était le président de France Nature Environnement, qui me pousse un peu du coude et qui me dit « À propos, tu connais le rapport Armand ?» Alors, je ne sais pas vous, moi, je n'ai jamais entendu parler du rapport Armand. Alors, je dis « Non, pourquoi ?» Il me dit « Non, laisse, tu verras. » Et donc, le soir, je rentre chez moi et je regarde le rapport Armand. Le rapport Armand, c'est 1970. C'est 100 propositions pour l'environnement en France. C'est ce qui a amené la création du ministère de l'Environnement, Jacques Chaban-Delmas, en 1971. Et en fait, ce qu'on venait de proposer à Sarkozy, c'était une sorte de copier-coller du rapport Armand de 1970. Et on ne savait pas. Hein. C'est-à-dire, c'est pas du plagiat, etc. Mais on avait tout... sur l'éducation à l'environnement, sur la biodiversité, sur la déforestation, sur les pesticides, etc., c'était dans le rapport Armand. Donc, je vois, en fait, la question, elle est fondamentale. Et c'est là où on revient sur le sujet de la publicité. C'est quoi les blocages? Qu'est-ce qui bloque? Là, on est 2022. C'est 72, c'est le Club de Rome qui disait pas autre chose. Et puis, sur les pesticides, 1962, c'est Printemps silencieux de Rachel Carson. Tous les sujets de glyphosate, à l'époque, c'était le DDT, sont déjà là. Sur la biodiversité, relisez un livre qui vient d'être édité, qui s'appelle « Protection et destruction de la nature ». C'est 1952. Tout ce qu'on peut savoir maintenant sur l'érosion de la biodiversité, vous l'avez dans Roger Heim, « Protection et destruction de la nature », 1952. Et c'est pas un militant écolo, hein, Roger Heim. C'était président Académie des sciences, président du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, en fait, c'est la question fondamentale. C'est, on est tous d'accord sur les constats. C'est quoi les blocages? Et c'est là où on rejoint justement le rôle de la publicité. Il ne faut pas, à mon sens, trop focaliser sur la pub, parce qu'il y a autre chose. Il y a plein d'autres choses dans nos imaginaires qui font que. Mais en tout cas, on a là un point important qui doit être dépassé. Et dans les points sur lesquels il y a une avancée assez forte et facile à faire, et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel je suis optimiste, parce que c'est un sujet qui ne coûte rien aux publicitaires. C'est vraiment ce travail sur les représentations. Je vais juste terminer par là, sur un point qui n'a rien à voir, encore que, avec la transition écologique. C'est pourquoi, dans les publicités, 85% des représentations d'experts sont des hommes. Il n'y a pas de femme. Si vous ne trouvez pas de femme experte dans les publicités, la place de la femme, elle est ailleurs, peut-être à la cuisine, etc. Mais quand on veut montrer un expert, c'est un homme, bouche blanche, etc. On voit qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. L'exemple que je citais tout à l'heure sur la publicité automobile, on voit la même chose pour le crédit à la conso, c'est quasiment toujours la même chose. Donc on voit qu'il y a peut-être un travail engagé sur ces éléments justement de représentation d'idéal. Et en fait, c'est là où on est sur l'idée de nouveaux récits et comment la publicité elle peut accompagner le nouveau récit. Moi, je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à la transition écologique si on reste fixé sur des problèmes de CO2, de réduction des gaz à effet de serre. Un objectif qu'on peut avoir tous, c'est de se battre pour un monde plus durable, un air plus pur, plus sain, une alimentation plus saine, un mode de vie moins stressant. Et si on est d'accord sur ce type d'objectif-là, et là, la publicité elle peut aider, ben on verra que les objectifs de lutte contre le CO2, c'est un moyen au service d'une finalité plus importante, mais que si on se focalise sur le combat un peu technique CO2, on n'arrivera pas. Ce qui donne envie, c'est ce pour quoi on a envie de se battre, c'est un objectif peut-être plus ultime. Je veux juste prendre un dernier exemple. Comme je travaille beaucoup au niveau européen, on a fait l'Union européenne, enfin, pas moi, ceux qui étaient avant, je pense le Robert Schuman, Jean Monnet, etc. C'est l'Europe, c'est la paix, quoi. Ce n'est pas les interactions économiques, de circulation des capitaux, etc. C'est pourquoi est-ce qu'on a envie de se battre? Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à reconstruire les nouveaux récits. On parle souvent de nouvelles narrations, de récits, etc. Je pense que c'est là où il y a un enjeu qui est considérable et où la publicité a une part immense. On sent que la question quand même du désir est très, très présente, que la publicité, ça a pour objet principal de susciter le désir. La question étant maintenant, bon,
comment rendre la sobriété désirable via la publicité. Grande question qui reste à résoudre. On va s'arrêter là pour cette session Institut Veblen, consommation versus sobriété, quel est le rôle de la publicité. On espère qu'on a pu répondre à cette question avec nos trois invités. Merci à vous.